Bienvenue à l'activité créatrice en mathématiques sur le rectangle. Alors, je t'explique comment j'ai fait ce programme-là. Je suis allée chercher, premièrement, un arrière-plan différent. Fait que j'ai pris une page blanche ici et j'ai pris le pinceau pour aller tracer à l'aide de ma forme géométrique ici. Mais ce que je me suis assurée de faire, tu vois, c'est de partir vraiment sur la ligne, sur le carré. Alors, si j'en prends un autre, et c'est important si on veut pouvoir bien faire notre déplacement. Alors, tu pourrais fabriquer des rectangles de différentes grandeurs. Alors, si je te remonte ce que j'ai fait ici, par la suite, je suis allée chercher mon personnage en le choisissant dans la liste. Une fois que je l'ai choisi, j'ai confirmé. Et j'ai, par la suite, dit que mon programme commencerait lorsque je toucherais mon lutin, donc ici ma grenouille. Alors, j'ai fait un repositionnement pour qu'il soit toujours au même endroit pour partir mon programme. Et là, j'ai compté combien de petits carrés il fallait qu'ils se déplacent pour faire le tour à l'extérieur de mon rectangle. À voir. Voici ce que ça donne. Il se déplace vers la droite de 14 unités. Il va vers le haut pour être à l'extérieur de 9 unités. Il revient, il redescend. Et par la suite, je tombe en deuxième image. Et là, pour faire partir le programme, ce que j'ai dit, c'est qu'il faudrait toucher le lutin. Alors, bien je touche ici ou bien je touche au petit bébé et je veux qu'il fasse le tour du carré. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ces animations pour travailler le rectangle ou le carré.